Bonjour à tous, actuellement je suis à Paris, dans quelques heures je serai en Irlande, je pense que ça peut être très cool, il va se passer quelques petits trucs, du coup je me suis dit mais pourquoi pas filmer. Là on va aller petit-déj et écoutez, ça décale. Petite anecdote de ce visage, en fait, au comptoir, j'avais demandé un café latte glacé. Ils m'ont donné un café latte chaud. Je ne m'y attendais pas et je me suis brûlé la langue. C'est bon, ça décale à Dublin. J'ai trop hâte de voir Blanche. Yo, ça vient d'arriver en Irlande. Je viens à peine de sortir de l'avion et il faut encore que j'aille chercher ma valise. Et ensuite, le périple ne s'arrête pas là. Je dois prendre un bus pendant une heure et demie pour aller chez ma pote. En fait, elle n'était pas assez servie d'habiter au Havre. En Normandie, elle s'est dit, il faut que j'aille dans un bled, mais plus loin. Donc elle est partie en Irlande, à Carlow. C'est bon, actuellement dans le car, je suis rassurée parce que c'était grave le rush. Les valises ont mis genre une demi-heure pour ça. Et en trois rounds, les cars c'est toutes les 1h30, 2h. Du coup, flemme d'attendre 2h alors que j'étais à ça de l'avoir. Et je l'ai eu. Mais qui voit ? Ça va. C'est vrai, je suis épuisée. Elle a rangé sa chambre pour moi. La toute belle. Il y a des abonnés qui m'ont dit, ah cool, tu vas pouvoir manger coquillettes coca. Oh les bâtards. Blanche, vraiment trop mime, ça m'a prévu un petit repas. Coquette, coca, trop mimi. Allez, plus vite, je veux dormir. La tristesse. On dirait une oie. À côté de la ferme de Maurice et de Louise, se trouve une grande mare où les oies aiment venir nager. Premier jour en Irlande. Ils m'ont obligée à me réveiller pour que je les accompagne en cours. Il fait moins 1000 dehors. Du coup, j'ai mis un petit pantalon en velours. Non, en vrai, j'avais trop envie d'aller à l'université avec eux. En fait, c'est le fait d'être déscolarisée. J'ai envie de retrouver ce lien que j'avais avec l'école. Putain, il nous suit. Ça, en fait, c'est un abonné qui m'a reconnu à l'aéroport. Et il arrête pas de me suivre. Embarrassant. Ouh, l'arrivée. La star. Alors, ce petit contrôle, Blanche. Traducteur, hyper efficace. Ça s'appelle tricher, Blanche. Non, mais pas du tout. Futur bilingue, mais que traducteur. Je viens de quitter l'ité. Actuellement, je rentre. Blanche m'a passé ses clés. Ils ont encore une heure de cours. Parce que, comme une grosse conne, j'ai bossé 2 heures. J'ai pris mon chargeur tout du Mac, mais je n'ai pas pris d'adaptateur. T'es mal à française, putain. Bon, de retour à la coloc. Blanche. Tu m'expliques ? Tu m'expliques tout ça ? Vu que je suis une amie absolument incroyable, là j'ai une petite heure donc je pense que je vais ranger la chambre. Puis après bah, je vais attendre que tout le monde rentre pour graille. Alors, le marketing c'était super long. Tu te recasses en France. Madame a décidé d'avoir des rendez-vous dès que je reviens en Irlande. Donc un plaisir, merci beaucoup. Tu sais, le premier truc que je vais faire, non, manger sushi. Il se passe un truc de dingue dans la villa. Oh, grave bien. Oh, c'est le feu. Oh, un sofa. Génial. Il est trop bien. Non, c'est trop bien. Les petites surprises comme ça. C'est parti pour un repas de qualité. C'est pas coquillette coca. Il y a du maïs. Ça part sur une playlist cuisine. Si tu m'aimes, arrête tes bêtises. T'inquiète pas, je décapote les pâtes, te mettre en cloque. On a qu'une seule vie, regarde, tu veux bien trop chaud. On a pas un peu de sauce tomate ou un truc comme ça? Tadam. Vite, 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 mange. Qu'est-ce que tu fais debout? Cours, cours. Que là, il faudrait qu'on parte idéalement à 40, hein. 13 minutes. Bon appétit les loulous. Bon appétit. Au revoir, ça dégage, allez. Si t'as le bon prio, tu te caches. Ah putain, enfin. C'est Ryan qui nous a régalé, il a pris une petite photo de nous. Thank you Ryan. Welcome. Oh, he take the pose. Mais il me tue, viens voir Fénéa, viens voir. Non, non, stay. Stay here. Regarde. Ah, vraiment vous avez les meilleurs colocs. Jour 3 du réveil à la villa. Thank you.
À toutes. Merci, bisous. C'est parti, ça redécale à l'ité dans le froid irlandais. Toujours en mode back to school, tout se passe comme prévu. Thank you. Je suis repassée au Starbucks pour prendre un latte très chaud parce qu'il caille sa race. Et là, écoutez, ça rentre. Je vais essayer de poster la vidéo pour 19h parce que mine de rien, il y a un décalage horaire d'une heure et je suis pas habituée moi. Du coup, petit update, ma vidéo a été mise en ligne et je suis tellement contente. Je crois que c'est la vidéo sur laquelle j'ai le plus de retours. J'ai reçu énormément de témoignages et ça me fait trop plaisir parce que c'est vraiment une vidéo qui me tenait énormément à cœur. C'est une vidéo où je parle des règles, de la cup, mon expérience avec. Ça me fait tant plaisir. Merci beaucoup. Bon, ça part sur une soirée cinéma. Dernière soirée avant que Blanche revienne, donc dernière soirée de bonheur à la coloc. Eh, merci. Oh, ah, c'est trop bien. Je suis contente, j'ai trop hâte. Yo, jour 3556 en Irlande. Aujourd'hui, Blanche revient. C'est beau. Alors là, ce qui se passe, je me suis maquillée. Ça décale encore une fois à l'été. Ça va bosser. Thank you. Vraiment back to school. T'as même des frites. Non, j'avais dit que je mangeais bien. Le repas de la diète. Le seul pays où ils te proposent des pâtes avec des frites. Il est en train de me faire une petite visite guidée de l'IT et on vient de me dire qu'ils étaient sponsor Red Bull. En gros, t'es en train de soulever et tout, il y a un mec qui arrive, il te donne une Red Bull. En essence, on doit faire une photo. En fait, vous êtes des influenceurs. Ah, stylé de ouf. Ça, c'est notre gymnase. Ouais. Ah, c'est là le sauna. Ça me motiverait presque à reprendre les études. Ah putain, il y a re l'abonné. Maman, émotion. Quel genre de soirée ça? Ah là, Blanche est revenue. Regardez comment ça m'accueille. Oh, c'est trop pratique d'avoir un mec qui va te chercher à manger. C'est trop loin la cuisine. Et la vie de moi, ça va pas rentrer. Salut, donc je suis avec Blanche, elle va nous parler de son Erasmus. Comment tu résumerais ton Erasmus? Bouffe. Un beurre. Il a tout mis. Mais que ça fait, pourquoi ça fait ça? Il y avait deux repas là. Non, il aurait fait pour 1,5. Élise, elle mange bien. Bon, bah écoute, on va tout manger. Hein. Merde, allez, bonne nuit, à demain. Jour 4. Ou 5, je sais plus. Ma princesse, la belle voix dormant. Ça décale à l'été, ça va monter. Ça va peut-être faire des photos parce que, attendez, je suis en bombe. Une robe, chose très très rare. De retour, Blanche doit faire imprimer des copies. Elle a un truc à rendre, mais on a pris le temps de prendre des photos. Actuellement 15h, on s'est dit quelle bonne idée pour les manger en taille. Wouhou! Oh là là, trop mignon. On est en date. Merci Blanche de m'avoir emmenée ici. J'avais la carotte au palais. J'avais la carotte au palais, on dirait un nom de code. Là, ça fait des magasins. On a trouvé les meilleurs bails. Attendez, des Flaming Hot Cheetos. Mon dieu, il n'y a aucun produit correct. Bébé! Elle m'a pas fait coquillette coca ce soir, mais il y a du houmous avec des pitas. J'ai une femme comblée. Là là là! Ça décale! La grosse soirée, aïe aïe aïe! J'aurais pas dû vlogger. Yes! Ça va faire le petit déj! Incroyable! Incredible! Petit détail que je n'avais pas vu. Ma première femme. On a fait bon voyage. Ça vient à peine d'arriver à Dublin et il m'est arrivé un truc de con. Je vous jure, je sors à peine du bus. Mon tel est sorti de la coque. Truc improbable. Il est tombé de la coque, je ne sais pas comment. Et il s'est explosé sur le sol. J'ai le seum. Mais du coup, pour se réconforter, caramel macchiato, petit cookie chaud. Et les deux là-bas qui arrivent là. Cette journée s'annonce à chier. Faut pas que je me fasse tatouer, elle va rater. Non, mais dis pas ça. Dans quelques heures, j'aurai une crevette. Tu stresses? Bah, en vrai, la couleur, j'ai un peu peur. We'll be right back.
Alors Blanche, ravie. Et franchement, je pensais que ça allait être pire. Bon, quand elle coloriait... Au niveau de la douleur. Franchement, je m'attendais à vraiment pire, genre insoutenable, tu vois. Ça va être à mon tour. Voilà ce que ça donne pour la petite crevette. Et je vais la faire sur ma cheville, juste ici. Papa, désolé. Actuellement en train de me faire charcuter. Et pour info, c'est la même tatoueuse qui m'a fait le petit bouquet de fleurs, là. Perfect, thank you. Thank you. See ya. Hop là, et ça part avec ma crevette. Après l'effort, le réconfort. Hop là. Et bon appétit. Il y a toutes les décos de Noël à Dublin, c'est trop joli. Mon mood actuellement. C'est cool, on est en mode petite promenade digestive. J'adore. Vos gueules les mouettes. Oh. Oh. Est-ce qu'on est en retard parce qu'on a pris des sushis? Peut-être. On doit être là-bas dans quelques minutes. Ça va le faire, ça va le faire. On l'a eu. Ça rend graille les sushis. C'est incroyable. On dirait un début de vidéo YouTube, une miniature en mode elle mange 300 sushis d'un coup. Appelez la sauce salée. Bravo Blanche. Oh, j'ai les boules, ça m'énerve. Allez, un stick, soit un stick. Regarde Cendrillon. Oh. Hop les jours 9. Ça redécale à l'université pour bosser. C'est mon avant-dernier jour ici. Et après, ça go affronter les grèves en France. Dis-nous Blanche, pourquoi tu fais Erasmus? Pour apprendre l'anglais. Est-ce que tu penses que te faire que des potes français a fait progresser ton anglais? En plus, j'étais en mode, ouais, faut que je rencontre un mec étranger pour bien parler anglais, gneu gneu gneu. Le mec, il habitait une heure chez moi. Venez en Erasmus. Pour parler anglais. Non, en cours, je parle quand même anglais. Et tu sens quand même que ça t'a fait progresser? Au niveau de la compréhension, ouais. Le truc, c'est que Blanche, elle a fait une coloc, mais il y a quasi que des français. Ne faites pas ça. Ben voilà. Faites une coloc, mais que des étrangers. Et là, là, vous allez progresser. À toutes. Thank you. Là, on est actuellement à la cantine et ce midi, c'est Faritas. On est tous émus. Ça fait même pas rire, regarde, il y a du poivre. Donc là, Blanche est venue manger Faritas tranquillement, mais elle avait pour. Je pouvais mon code. En plus, c'était vraiment détente. Elle m'a envoyé. J'ai fini. Ouais, du coup, t'as 2 heures pour grave. En plus, c'est le seul truc où il fait la paix. C'est pour ça que je voulais y aller. Enfin, vas-y, ça me saoule. Blanche qui rentre avec sa boisson de manière totalement clandestine. Déjà, la meuf, elle sèche les cours après elle vient. Avec... Elle sèche. C'est vraiment devenu une gangster en Irlande. Je voulais dire à ma maman que je voulais vraiment y aller à ce cours. Sandrine, ça partait d'une bonne intention. J'avais prévu d'aller à tous mes cours aujourd'hui, maman. Elle a dit quoi, Pénélope? Que j'avais une frite à poser. Ça passe en mode ugly Betty, c'est parti, ça va travailler. Ça décale au bowling, après avoir pleuré pour le montage. Quand ça rentre dans le club, pololo, on voit nos grosses têtes avant de jouer. C'est mon mood du jour. Wouh! T'as fait plus que moi. Hein. Allez White. Je tiens juste à dire, petite fierté personnelle, j'ai peut-être pas gagné, mais j'ai fait un strike. Wouh! J'ai niqué la jambe. Là, on est parti faire un petit tour parce qu'il y a le proprio et c'est pas qu'on est là. Les trois clandos. Ah, il fait bon vivre, hein. Bah viens, on va acheter des... Enfin, je sais pas combien de temps ça va durer. Ah, mais grave, ouais, on aurait pu aller acheter des Cheetos. C'est chaud, toi. Bah vas-y. Autant rentabiliser ce moment. Vraiment la meilleure balade nocturne, là. Tu peux le faire, William, tu peux le faire. Cours. Mission accomplie. Il est plus là. Incroyable. La prise de masse. Faut dire des trucs, non, je peux avoir faim de voir. C'est à moi de parler. Fais comme si t'étais dans un truc animalier. Un petit rat dans un environnement naturel. Trop triste, on se revoit dans 3 jours. Petit déj à la villa. Et le lait, mais qu'est-ce que ça fait? Après celui d'Amélie Ryan. Oh, il a piqué le lait des colocs. Oh le bâtard. Pour son plaisir personnel. Ryan, keep your milk. Ryan, come here. I have something to tell you. William is a big hassle. C'est la fin, on se quitte. Oh le beau bébé, la même couleur que Flash McQueen. Ciao. C'est la fin du vlog, ou peut-être pas parce que je vais être bloquée dans les bouchons. Air France ne décolle pas car grève, bloquée à l'aéroport de Dublin.